Bonjour à tous, on va profiter de ma journée ménage, oui, pour apprendre les mots liés à cette activité ou ces activités parce qu'en fait j'ai plein de choses à nettoyer, plein de trucs à organiser. Et si vous avez besoin du texte en portugais, il suffit de l'activer ici, d'accord? Vous activez les sous-titres et vous allez avoir en fait la traduction en portugais. Et ah, j'ai utilisé il suffit. Si tu veux comprendre l'utilisation de cette structure, tu n'as qu'à cliquer en fait sur le lien qui apparaît par là et c'est aussi en dessous de cette vidéo. Et j'ai aussi utilisé tu n'as qu'à cliquer. Alors pour celle-ci, ça sera pareil par là ou dans la description. Non mais là c'est bon, on attaque le nettoyage parce que je traîne et puis voilà, j'ai beaucoup de choses à faire. J'ai ici des éponges, du liquide vaisselle. Ça, ce sont des éponges métalliques. Celles-ci, elles sont un peu rouillées, mais j'ai aussi celle-là. Elle est un peu vieille, mais ça fera l'affaire. Et j'ai aussi du dégraissant. Alors, ici, j'ai du nettoyant tout usage. Enfin, soi-disant, ça peut tout nettoyer, mais ça reste à confirmer. J'ai ici des lingettes désinfectantes. J'ai aussi ici un nettoyant four, mais en fait, il n'est pas bon du tout, d'accord, parce qu'il n'y a plus de gaz. Donc, c'est un nettoyant aérosol, mais il n'y a plus de gaz, donc je ne peux pas utiliser ce qui reste. Et ça, c'est trop chiant. C'est au moins le troisième que j'achète de Dollarama. Et à chaque fois, voilà, je ne peux pas utiliser au moins, il y a quoi? Il doit y avoir un tiers du liquide encore là-dedans. Donc, c'est de la daube. Achetez pas ça. J'ai décidé de commencer par la partie la plus chiante, c'est-à-dire la hotte. Oui, et en fait, j'aime pas nettoyer ça parce que c'est, il y a du gras à l'intérieur. Enfin, c'est dégueulasse. Donc là, j'ai nettoyé la partie interne de la caisse métallique et j'ai enlevé aussi les grilles. Il y a deux grilles normalement qui vont là. Elles sont dans la salle de bain. Je suis en train de les nettoyer dans la douche et c'est ça. Alors, c'est tout ce que j'ai pu faire avec le produit de Dollarama. Vous vous rappelez, celui qui est pas bon du tout. Voilà, donc ça, pour l'instant, je vais le laisser. Je vais les laisser, il y en a deux, comme ça. D'ailleurs, si vous avez des astuces pour le nettoyage de ces grilles, ça m'aiderait beaucoup, d'accord? Donc, écrivez-les dans les commentaires, parce que là, je sais pas quoi faire. J'ai fini avec la hotte. Ok, maintenant je suis en train d'organiser les tiroirs. J'ai aussi nettoyé les placards et j'ai laissé un peu de place pour les gens qui vont garder notre appartement. Donc cette partie-là, j'ai pas besoin de la nettoyer. Ok, parce qu'en fait les gens vont utiliser la vaisselle, donc voilà, j'ai pas besoin de libérer de la place. Puis là j'ai quelqu'un. Tu fais quoi là, Forrest? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas ce qu'il a, mais il se tortille dans tous les sens. Tu fais quoi, bonhomme? Hein? Bon. Tu joues? C'est ça? Tu joues? Tu joues, toi? Tu joues? Tu veux jouer avec moi? Bon, on va nettoyer le sol maintenant avec toi. Aïe! Bon, j'ai plus envie de nettoyer. Je vais essayer, d'accord? Normalement, c'est censé fonctionner, d'accord? J'ai vu sur internet, ça marche. Allez, on y va. Allez, vas-y. Allez. Non, qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu, c'est nul. Alors, puisque je sais pas faire là le truc avec mes doigts, bah, je vais devoir frotter. Hein. C'est comme ça. Croyez pas à tout ce que vous voyez sur internet, les amis. Hein. Là, c'était du mytho. Hein. C'est des mensonges, hein. D'accord? Croyez pas à ça. Hein. Ça y est, grâce à Fée Manu, tout est propre. Vous voyez? Voilà, mission accomplie. Dis-moi dans les commentaires si tu apprécies ce type de contenu, d'accord? 100% en français. Et raconte-moi aussi, dis-moi ici en dessous, quel mot tu as appris avec
cette vidéo.